C'est un lieu vivant, très vivant, mais en même temps, c'est une sorte de bulle. C'est une invitation à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui va se passer. C'est le silence pour pouvoir aussi regarder les choses qui viennent et qui ne sont possibles que quand il y a rien autour. L'atelier et l'espace mental. C'est ça, je crois. Ouais. Enfin, je suis même sûre. J'aime la vitesse, j'aime travailler dans l'urgence parce que c'est là où il y a des choses extraordinaires qui se passent, qui se passent pas dans la lenteur. La vitesse amène la justesse plastique. Je suis plutôt dans la puissance, dans la force et dans la gestuelle. Ouais. Et ça, ces gestes-là, les gestes premiers, la tâche et tout ce qui inspire les débuts d'étoiles, ça vient maintenant de l'intérieur. Ce n'est plus de l'extérieur.
cette toile-là, par exemple, que je viens de retravailler, c'est une toile que j'avais depuis très très longtemps. Très longtemps, je dirais pas combien, mais des années, vraiment des années. Il m'arrive aussi d'exposer des toiles et puis après de les reprendre. Il m'arrive d'exposer des toiles, mais honnêtement, de penser et croire qu'elles étaient finies alors que ce n'était pas le cas. Donc ça fait partie aussi de mon parcours, hein. J'ai fini par l'accepter, je suis obligée de toute manière. Mais l'accepter de façon bienveillante. Voilà, ça veut dire que je peux continuer. C'est pas le hasard, justement. Je pense que le hasard n'existe vraiment pas en tant que concept pur. Les choses viennent, il faut tout juste savoir les prendre en vol, savoir être alerte. Il y a une palette restreinte, ouais, beaucoup des bruns, d'ocre. Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'opposition d'éléments, donc la matière, mais aussi la transparence, ce qui est fluide, ce qui est mouillé, ce qui est mou, ce qui est dur. Tout ça, c'est dans les langages proprement plastiques. Travailler les mêmes éléments en même temps sur plusieurs supports, sur plusieurs toiles, sur des supports de différents formats, crée une cohérence globale. Après, il y a un temps de réflexion, un temps long de regard et d'ajustement pour arriver à que ces éléments qui étaient unis au départ, puisque le travail, c'est une seule chose, c'est un bloc, et elle se détache après les unes des autres. Après, justement, ces moments de regard,
des réflexions et puis savoir de regard, oui, c'est de savoir voir ce qui différencie une toile de l'autre. Après, bon, soit elle se, il y a une cohérence qui fait que il y a des triptyques. Souvent, j'assemble des triptyques, des diptyques. C'est pour ça, c'est des choses qui restent finalement ensemble. Il y en a d'autres qui sont complètement autonomes, complètement à part les unes des autres. Mais l'effet de travailler en même temps. Sur la même chose, on va dire, puisqu'on fait, de toute manière, je pense qu'on fait toujours la même chose. Et c'est ça qui crée la cohérence aussi. Mais c'est pas la seule chose non plus. Ça se passe à des niveaux différents, parce qu'il y a la couleur aussi, parce qu'il y a les formats, parce qu'il y a l'accrochage quand on présente après. Quand on montre, ça c'est fait, la proximité, les voisinages d'une toile avec une autre change aussi les regards qu'on peut porter, y compris moi-même, sur mon propre travail. La peinture des autres, le cinéma, la photo, ce qui se passe dans la vie. J'aime la peinture classique, j'aime la peinture contemporaine. J'aime du Buffet, j'aime ce qu'il dit. Aussi, j'aime ta pièce, les peintres espagnols. Mais j'aime aussi la nouvelle figuration, la peinture italienne, la peinture allemande. J'aime tout ce qui se passe, j'aime les installations aussi, j'aime l'art conceptuel, j'aime qu'on puisse expliquer, j'aime... Oui, tout ce que je ne sais pas trop faire. j'aime ce qui est opposé à ce que je fais. J'aime bien ce qui nourrit aussi, c'est les lectures, c'est les voyages, c'est les rencontres. Et après, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais après avec tout ça? Je suis dans la réflexion.